Je m'appelle le docteur Anouar Boukars. Je suis professeur de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Je voudrais accueillir tous les anciens étudiants, les amis, les collègues du Centre d'Afrique qui se rejoignent à nous aujourd'hui sur l'innovation, les défis de la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Nous faisons donc des recherches sur le terrorisme et la séance d'aujourd'hui sera modérée par Monsieur Idriss Alali. Quelques mots sur nous, le Centre d'études stratégiques sur l'Afrique. C'est un centre de recherche. Nous cherchons d'échanger les idées sur les questions de la sécurité, de renforcer la sécurité en renforçant la redevabilité des gouvernants en Afrique. Nous faisons partie du département de la Défense. On est un centre académique qui se trouve à l'Université de la Défense nationale à Washington. Nous entreprenons notre mission de soutenir la sécurité en Afrique en essayant de comprendre et de fournir une plateforme pour le dialogue, de mettre en place des partenariats durables et d'être un catalyseur pour des démarches stratégiques. Nous essayons donc de mettre en place, de générer des analyses pertinentes qui puissent être utiles aux praticiens et aux politiciens pour suivre les tendances émergentes de sécurité et de aussi mieux faire face, confronter les défis à la sécurité. Nous reconnaissons qu'en nous adressant aux menaces sérieuses, il faut avoir des échanges bien réfléchis. Et donc, le Centre de l'Afrique fournit ces opportunités pour échanger, partager les points de vue avec nos partenaires. En nous engageant avec nos partenaires de l'Afrique et du côté militaire en uniforme et du côté civil et les sociétés civiles de même, nous espérons renforcer l'idée que tout le monde a un rôle nécessaire, important, essentiel à jouer pour comprendre les acteurs de l'insécurité aujourd'hui, pour maintenir et renforcer les institutions. Donc, nous allons parler d'expériences réelles, vécues. Nous espérons que cela va fournir une opportunité d'être catalyseur pour faire cela. Alors, encore une fois, nous vous remercions pour ce dialogue, cette discussion, pour parler des pièges, pour parler des bonnes pratiques auxquelles nous sommes confrontés. Et maintenant, la parole à notre modérateur distingué, Idriss Lalil. Merci, le directeur donc de la CERT. Bonjour à tout le monde et bon après-midi. Merci, Anouar. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur de faire partie avec la CESA pour ce travail, ce partenariat avec la CAERT. Ce partenariat a commencé en 2005. Le partenariat devient de plus en plus fort entre nos deux institutions. On est très reconnaissant pour cela. Lors de la session aujourd'hui, le sujet est très intéressant. Tout d'abord, je voudrais parler de la CAERT. Il faut identifier ce que c'est le Centre de l'Afrique pour les études et les recherches sur le terrorisme. C'est une structure de la Commission de l'Afrique pour assister les États membres de lutter contre le terrorisme et de mettre en place leurs obligations internationales en ce qui concerne de combattre l'extrémisme violent. Et nous avons presque 17 ans depuis que nous sommes en place et nous sommes presque des adultes. En fait, on a dû devenir adultes très rapidement. Ça a été vu le niveau, on a dû faire beaucoup de progrès sur le continent très rapidement pour être reconnu comme étant le bras technique de l'Union africaine pour contrer le terrorisme. C'est un plaisir aujourd'hui de faire partie de ce webinaire.
faire, que je suis sûre que cela va mettre en place, engendrer une très belle discussion. L'objectif, c'est d'avoir des nouvelles idées pour des nouvelles stratégies adoptées par des acteurs étatiques et non étatiques. Nous avons le privilège de voir de se pencher sur trois membres États, la Mauritanie, le Kenya, le Nigeria. Il est très important, alors que nous avons préparé les notes de concept, l'objectif, c'est de nous familiariser avec les leçons apprises des interventions sur le continent dans la lutte contre l'extrémisme violent, d'être bien informés pour la prévention de l'extrémisme violent, des leçons apprises, et puis de connaître les pièges aussi dans lesquels on peut retomber, et puis pour connaître la valeur, le rôle de la résilience, du dialogue dans les actions, dans les stratégies de chacun sur le continent. Vous allez donc comprendre, d'après les objectifs que nous nous sommes préparés, que c'est très concret, en fait, c'est très réaliste. Cela va toucher des expériences qui se sont démontrées qui ont réussi sur le terrain, d'identifier, de comprendre les pièges. C'est aussi très important de connaître comment ces pièges ont été surmontés. Et ça fait partie des leçons apprises. Mais pour avoir une meilleure compréhension, pour une meilleure approche dans le processus en ce qui concerne l'extrémisme violent, nous avons donc trois panélistes aujourd'hui très capables qui vont partager leur expérience avec nous. Il y a le docteur Anouar Boukars. Il s'est présenté, il est professeur de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Il est mon partenaire dans tous ces programmes. C'est quelqu'un donc qui rassemble tous ces programmes et je vous merci beaucoup Anouar. Et puis il faisait partie du programme du Moyen-Orient. Il était professeur à la Fondation Carnegie et aussi il est donc diplômé. Il a un doctorat. Il est aussi titulaire d'un doctorat en études internationales d'université dans Norfolk et il travaille aussi dans les recherches. Ses écrits feront partie dans des revues académiques. Et je suis un fan de publication du docteur Anouar. Lorsque ses écrits sont publiés, je m'y penche immédiatement. Nous avons aussi Madame Romy Sigworth. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Elle est consultante en recherche pour les programmes complexes, défis, les menaces complexes en Afrique et ENACT à l'Institut d'études de sécurité. Auparavant, elle était spécialiste des questions de genre à l'ISS et chercheuse principale dans le cadre du programme sur la violence basée sur le genre au Centre d'études de la violence. Elle a également été rédactrice en chef des revues universitaires du African Security Review, Bioéthique et Developing World Bioethics. Elle est titulaire d'une maîtrise en études féminines de l'Université d'Oxford. Et puis finalement, nous avons le docteur Olojo, qui est chercheur principal dans le cadre du programme du bassin du lac Tchad à Dakar. Il a rejoint l'ISS en 2018 en tant que chercheur principal dans le cadre du programme Les menaces complexes en Afrique à Pretoria. Avant cela, il était chercheur invité à l'Institut d'études politiques Sciences Po en France, où il a donné des cours sur la violence et le terrorisme en Afrique subsaharienne. Dr Akinola a également été chercheur invité au Centre international de lutte contre le terrorisme à La Haye. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université Paris-Descartes. Alors, Dr Bouhad, je sais que le temps nous est précieux. Nous voulons avoir du temps pour des discussions avec les participants. Je vais commencer
avec vous, parce que moi aussi, je proviens de l'Afrique du Nord. Et nous allons commencer avec vous. Quels sont les facteurs qui ont permis à la Mauritanie de repousser les avancées de l'extrémisme violent? Nous allons regarder, donc, on va se pencher sur l'expérience de la Mauritanie. Merci, Idriss. Des questions excellentes. La transformation de la Mauritanie, c'était un lien très faible au départ, mais est devenu le pays un des plus résilients vis-à-vis le terrorisme violent. C'est très instructif. Le pays, comme vous le savez, était le premier dans la région du Sahel à être frappé par le terrorisme, mais a pu échapper à ce terrorisme pour un pays qui souvent avait des politiques, une politique fragile, des tensions ethniques. C'est extraordinaire qu'ils aient pu faire ça. Alors, on s'est demandé comment cela a eu lieu. Et donc, ils ont fait des pactes non-agressivité avec les islamistes du Maghreb. Mais ce narratif, comme un observateur a noté, fournit à savoir pourquoi est-ce que, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'un pays si fragilisé ait pu contrer cette violence. À travers, ils ont fait ça à travers la formation de forces d'unités, de forces spéciales. Ils ont renforcé les capacités de confronter les groupes d'extrémisme violent. On va commencer avec le premier facteur, d'essayer de changer justement ces démarches. Ils ont bénéficié d'un environnement favorable d'un nouveau président qui a pris le pouvoir en 2008 et son partenaire, le ministre de la Défense, le président actuel. Après avoir souffert des attaques terroristes, ils ont lancé des réformes militaires. Cela a commencé, c'était au départ symbolique, mais aussi substantive, pour améliorer la vie et la qualité de vie des soldats, des militaires. Alors, ils ont cherché à adresser tout d'abord les structures et la morale qui était terrible des soldats, à des nouveaux uniformes, d'améliorer leur paye, leur salaire, leur compensation. Et puis le processus de modernisation de l'armée s'est matérialisé. Ils étaient mieux formés, il y avait un meilleur approvisionnement. Des unités spéciales se sont développées, des spéciales se sont développées. Mais je pense que tout cela, c'était un choix de priorité. Un choix de priorité dans l'approvisionnement militaire, les achats, par exemple, plutôt que de choisir des dispositifs très très coûteux, des armes très coûteuses, le gouvernement de Mauritanie a décidé plutôt de faire l'achat d'équipements qui étaient appropriés à leurs besoins, par exemple. Pour améliorer leur capacité aérienne, ils ont acheté des avions qui étaient moins chers, mais qui pouvaient servir, qui pouvaient faire l'affaire pour surveiller le désert en Mauritanie. Et donc, ils ont aussi mis de l'équipement aérien dans ces avions pour surveiller. Et puis, après 2009, ils ont fait cela. Ensuite, mon second point, de travailler avec comment adapter les forces de lutter, de se battre sur le terrain du désert. Comment faire cela? Alors, la réussite pour le contre-terrorisme, l'antiterrorisme, nécessite la transformation
des forces militaires qui étaient trop lentes, qui étaient trop lourdes, pas assez souples. Il fallait changer les tactiques, les stratégies. Avant 2010, l'organisation classique était trop lourde pour répondre aux menaces. Il fallait justement former des unités plus petites, plus souples, qui pouvaient se déplacer plus rapidement. Alors, la Mauritanie a mis en place des groupes, des forces spéciales d'intervention qui ont été conçues pour être versatiles, qui, pour être souples et de renforcer et de maintenir ces groupes et aussi de maintenir la motivation. Les membres de ces unités ont dû servir ensemble pour plusieurs années et ces équipes de combat étaient très bien équipées avec des véhicules très, très importants, tout cela, et avec une bonne alimentation, de l'eau. Il fallait qu'ils soient bien apprivoisés pour pouvoir maintenir leur opération indépendante au milieu du désert. Et puis, les terroristes ont joué un rôle important dans cette lutte antiterroriste. Après le 2009, les efforts ont été dirigés vers le développement des réseaux de renseignements humains, donc l'acquisition des radars de surveillance modernes, mais aussi une revitalisation a été mise en place des capacités qui étaient en place, telles que les groupes nomadiques militaires de la Mauritanie. Le GN, le groupe nomadique, fournit deux avantages, justement, en mettant ensemble cette possibilité de rassembler des renseignements avec les groupes nomadiques. Cela aussi a beaucoup aidé avec l'éducation, la santé. Ils se sont penchés à fournir ce soutien. Les groupes nomadiques, ils veulent améliorer les conditions de vie des populations pour qu'ils soient loyaux au gouvernement et qu'ils veuillent bien recueillir les renseignements pour le gouvernement sur le trafic divers, les trafics illicites. Alors, de pouvoir engager ces groupes dans les zones les plus éloignées dans le désert a été une composante critique essentielle de l'approche antiterroriste du gouvernement de la Mauritanie. Merci. Merci, Anouar. Je vais suivre cela avec une autre question, puisque vous parlez de la résilience des populations contre le terrorisme. Vous avez aussi choisi une approche plus souple, plus douce pour contrer la résilience militaire, c'est une chose, l'infrastructure, c'en est une autre. Mais si vous pouvez élaborer un petit peu plus sur la question de la résilience douce, bien sûr. Alors, l'engagement de la communauté était un pilier important dans ce théâtre multidimensionnel antiterroriste. Alors, pour améliorer la sécurité et de mieux fournir la sécurité, le gouvernement a établi dans les zones très éloignées, très vulnérables, qui étaient vulnérables à l'infiltration des groupes terroristes. Ils ont donc se sont insérés dans ces zones éloignées, dans ces sites ciblés pour avoir des positions défensives, surtout près de la frontière du Mali, dans les zones vulnérables où les villages, où les groupements de gens existaient déjà. La politique était de se pencher sur les conditions de vie, la sécurité des populations, d'engager la communauté pour qu'ils deviennent des parties prenantes, en fait, dans ces projets du gouvernement antiterroriste. Et c'était donc la stratégie
que dont la Mauritanie décrit comme étant gagné le cœur, l'esprit de des populations. Et c'est une approche très importante qui a été adoptée par le gouvernement de la Mauritanie. Parallèlement, avec ses efforts de renforcer les capacités de l'État coercitif, des stratégies, une politique d'engagement avec tous les acteurs. L'idée aujourd'hui et donc était de dialoguer avec les groupes extrémistes eux-mêmes. En Mauritanie, le régime a poursuivi une double stratégie d'éviter, de prévenir la violence, mais ils sont ouverts aux discussions, au débat, au dialogue, et ça fait la deuxième partie de cette stratégie qui a alimenté en fait le fait que le régime a pu conclure un pacte avec certains groupes terroristes. Et ceci, par exemple, en 2011, il y a eu des essais d'avoir un rapprochement entre le gouvernement et certains groupes d'Al-Qaïda. Ils ont surligné aussi des exemples en 2015 où le gouvernement a travaillé avec d'autres groupes. Un individuel avait été arrêté et la décision en 2015 de l'État islamique de ne pas s'insérer au Kenya, tout cela a alimenté cette spéculation. La Mauritanie a aussi mener des missions multi-étatiques pour contrer le terrorisme. Alors, certains observateurs ont déclaré que un des ingrédients parmi beaucoup d'ingrédients qui ont mené à la réussite de la sécurité, c'était le maintien de ces canaux, les contacts avec tous les acteurs. Et la Mauritanie a donc utilisé les chefs religieux et d'autres dans cette stratégie. D'autres indiquent que c'est peut-être une vue à court terme pour aborder la violence, l'extrémisme violent, mais en tant que membre du G5, l'Alliance saharienne, qui ne suivait pas tous ses engagements, tous les pays ne l'ont pas fait, mais pour la Mauritanie, c'était... ils ont pensé qu'il était nécessaire d'adopter des stratégies pour contrer l'idéologie et ils ont réussi en fait. C'est très, très intéressant. J'aimerais avoir encore plus de temps. Et quels sont les défis à Noir de la lutte contre l'extrémisme violent? Vous y avez touché, mais est-ce que vous pouvez peut-être vous focaliser sur certains points que vous pensez ou que la Mauritanie voit comme étant des défis particuliers? Oui, le changement dans la situation sécuritaire en Mauritanie, ceci a révélé que les États fragiles peuvent retourner l'affaire. Avant, la Mauritanie était un État très fragile au point de vue économique, militaire, politique, mais ensuite, le pays a pu
qui étaient vulnérables à la violence, à l'extrémisme violent, ils ont pu jeter le joug, ils ont pu réussir avec la collecte des renseignements sur les frontières, l'insertion des mesures administratives et sécuritaires dans des zones éloignées qui avant avaient été vues comme étant inaccessibles, de travailler avec les communautés dans ces zones éloignées. Pour avoir la confiance des populations et puis aussi de travailler avec les voisins du Sahel pour contrer les coups ou les coups réussis ou pas réussis qui avaient été tentés dans ces zones, dans d'autres États. Les services, les forces sécuritaires de Mauritanie après 2008 se sont réorganisées. Les forces armées sont devenues mieux équipées, mieux payées. Et ces gains, on peut vraiment reconnaître que c'est grâce à cela que le gouvernement a vu des progrès, le succès contre le EV. Mais ceci dit, la Mauritanie fait face encore, confronte encore, souffre encore de beaucoup de vulnérabilités, par exemple, et une distribution très inégale des richesses, une distribution pas du tout équitable des ressources publiques. Il y a des problèmes ethniques, le manque de représentation ethnique dans le gouvernement et puis aussi des problèmes au sein du gouvernement. Et même au sein des militaires, il y avait des efforts pour... il fallait assurer le bien-être des militaires. Alors, les divisions ethniques, de tribus, la mauvaise distribution des richesses parmi les officiers en particulier. Alors, pour que la Mauritanie puisse poursuivre un programme de modernisation et arriver à son plein potentiel pour ses objectifs, il faut aborder et résoudre ces problèmes structuraux en améliorant leur gouvernance, la gestion des ressources humaines. Et les gains sécuritaires restent fragiles et pour les soutenir, ce qui est nécessaire, c'est que le gouvernement doit améliorer sa gouvernance politique, sa gouvernance économique et sa gouvernance de la sécurité. Donc, il est important de renforcer la sécurité dans les régions vulnérables et de renforcer leur résilience. Mais c'est très bien, mais il faut encore davantage d'efforts pour améliorer cela. Et puis aussi, la coopération régionale, bien sûr, est très importante pour contrer ce problème. Personne ne peut le faire tout seul. Je vais m'en arrêter là. Thank you, Anouar. Merci, Anouar. En effet, ces défis ne sont pas seulement des défis de la Mauritanie. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui doivent soulever les mêmes défis. Et ces défis sont même plus importants à cause de la pression sur l'appareil de sécurité, ce transfert de la doctrine et également les différents coups d'État qui se sont déclenchés entre 2005 et maintenant. Il y a toute une multitude de défis. Et c'est aussi intéressant ce que vous venez de dire concernant le pacte de non-agression. J'en suis sûre qu'il y a beaucoup aussi du Kenya qui peuvent faire des commentaires sur ce pacte de non-agression mutuelle. Parce que parfois, on ne parle pas de ce qui est politiquement correct, mais lorsque je me penche sur la situation en Afrique, il faut peut-être penser un petit peu à l'extérieur des chemins battus. Il nous faut parfois quelqu'un qui nous donne cette explication. Il y a des défis, il y a aussi des opportunités pour maintenir la paix. Quand même, d'avoir un pacte de non-agression mutuelle en gestion de risques, ça veut dire aussi que vous transférez le risque d'un pays à un autre. Je ne vais pas faire des commentaires là-dessus, mais ça serait intéressant d'entendre de ceux qui ont eu une expérience en matière de ces pactes de non-agression
l'intégration mutuelle. J'hésite entre Roby et Akinola, mais comme je vais commencer avec Akinola. Alors, Akinola, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe avec Boko Haram, parce que ça, je veux rester dans la géographie, je respecte les dynamiques du Sahel et de l'Afrique du Nord et aussi les impacts. Alors, dites-moi, quelles sont les principales caractéristiques de la crise de Boko Haram? On a lu beaucoup, on a vu les progrès, on a vu depuis la situation s'évoluer avec les deux factions de Boko Haram. Et dites-nous, mon frère, quelles sont les principales caractéristiques de la crise de Boko Haram? Idriss, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre. Ce dont je vais vous parler, vous le savez déjà, mais je veux éclaircir les dynamiques essentielles. Merci, Anouar, d'avoir parlé déjà des communautés. Et je suis très heureux qu'il a déjà parlé un petit peu de ça. Il y a des aspects que je veux aborder, par exemple la nature de cette crise. Et je parle de la situation qu'on a connue lors de la dernière décennie au Nigeria, au Tchad. Au Nigeria, on a lu les rapports sur la média, toutes les fatalités dans la gamme de 35 000. Mais j'argumente que le chiffre est probablement double de ce que vous lisez. On l'a vu depuis plus d'une décennie. Maintenant, à peu près 60 à 70 000 pour moi concernant les personnes décédées à cause de Boko Haram. Et c'est une crise qui a vraiment coûté la vie à énormément de personnes. Et les différents aspects de cette crise peuvent aussi se comprendre en phénomène de l'attaque. C'était l'attaque, l'attentat de 2011. On a vu après 2011 des centaines d'attentats. Entre 2013 et 2018, le Nigeria, Boko Haram, était responsable de 80% des attaques et suicides femelles au monde. Donc, pendant toutes ces années consécutives, donc il y a la durée. Je vous ai dit que ça a duré maintenant de plus de 10 ans. Et on a vu maintenant que le groupe s'est divisé en factions et il a pu se maintenir avec une idéologie aussi. Il démontre une audacité dans le style des attentats. La crise a à faire avec les composantes de la justice pénale. Cela est un élément clé lorsque vous pensez à l'année 2009, lorsqu'il y avait l'attentat. Le leader a été tué par une exécution extrajudiciaire et cela a contribué à une escalation de la crise. On a vu tellement de dévastation, pas seulement au Nigeria, mais partout dans la région. Et la justice pénale a aussi affaire avec le fait que l'investigation la plus large pénale a été faite au Nigeria. Et ce sont vraiment ces procès et ces procès des terroristes. Il y a au moins 5 000 personnes. Ça se fait en phase. Et puis, il y a la carence nationale. On connaît ce problème. Ce n'est pas seulement un problème du Nigeria, mais c'est une crise régionale. Et lorsqu'on parle de la crise, il faut souligner la force, le groupe conjoint multinational. Il faut parler de l'aspect régional. Il faut parler de la stratégie régionale de coopération. Et donc, parce que Boko Haram n'a pas seulement affecté le Nigeria. Donc, il faut vraiment souligner tous ces termes parce qu'il s'agit là d'une crise qui va au-delà de la frontière du Nigeria. Et le dernier aspect, c'est vraiment l'histoire dans tout cela. Le rôle que joue l'histoire, c'est un aspect qui n'a pas assez attiré l'attention. Et en effet, ça mérite beaucoup plus d'attention.
C'est parce que lorsque nous observons la défense de ce groupe, on a vu que le groupe utilise les narratifs historiques. Ils renforcent la propagande. Ils font référence au califat du 19e siècle. C'était un califat qui existait pendant une centaine d'années. Ça fait référence à l'empire Kanembolouk. Donc, les groupes sont conscients du rôle de l'histoire et des tendances historiques. Donc, il ne s'agit pas là d'une ignorance. Lorsqu'on parle de la COVID-19 qui s'est intensifiée depuis la dernière année, Boko Haram est bien conscient de ce problème. En effet, Boko Haram a bien exprimé son propre narratif concernant la crise. Ils disent que c'est une punition de la part de Dieu. Donc, c'est un groupe qui est bien conscient et sait comment exploiter l'histoire. L'histoire est également utilisée par les communautés. Je vais vous en parler dans un moment. Les communautés qui sont affectées par la crise pour renforcer leur propre résilience. Je m'arrête là et je vous permets de poser une autre question. C'est un très bon point que vous avez soulevé et vous avez souligné un point qui nous échappe souvent. L'histoire, le rôle de l'histoire et comment le lien entre l'histoire et le terrorisme et puis aussi le problème ethnique. Donc, il faut se pencher un peu plus sur l'histoire. Maintenant, j'oublie le mot, mais après, je vais vous dire à quoi je me suis rappelée. En tout cas, c'est l'histoire. Lorsque les gouvernements développent les stratégies diplomatiques, ils doivent approfondir leurs recherches pour voir quels sont les facteurs sous-jacents et qui ont mené les gens à adopter cette violence et qui doit être abordée par les autorités. Maintenant, je parle encore de la résilience parce que le point de la résilience est très important. En effet, vous avez co-signé un article intitulé Faisons du sens de la résilience dans la crise de Boko Haram. Là, vous apportez un nouvel éclairage sur la manière dont deux États du nord-est du Nigeria, il s'agit de Bauchi et de Gombe, comment ils ont réussi à résister à l'extrémisme violent. Pouvez-vous mettre en évidence certains des facteurs qui expliquent comment ces deux États sont moins touchés par l'extrémisme violent malgré la prévalence des mêmes facteurs de risque qui permettent aux groupes de l'extrémisme violent de prospérer dans d'autres parties du nord du Nigeria? Alors, qu'est-ce qui les rend spéciaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont évité d'être la victime de ce terrorisme comme les autres? Merci. C'est vraiment une bonne question parce que là, vous attirez l'attention sur l'idée de la résilience. La résilience dans un contexte où la plupart des fois, ce qu'on entend, ce qu'on lit, normalement, il s'agit des narratifs sur l'agression et les attentats. Et vous avez parlé des deux États, Bauchi et Gombe, et c'est l'épicentre de la région de la crise. Ce sont deux États qui ont attiré notre curiosité parce qu'on voulait savoir que malgré ces facteurs vulnérables, là, on n'a pas vu ce spectre de violence s'abattre sur ces deux États comme sur les autres. En effet, on a fait une entrevue avec plus de 300 citoyens dans toutes les strates, de toutes les couches. On a parlé aux institutions religieuses, institutionnelles, groupes des femmes, groupes de jeunes. On a fait une bonne coupe de la société là. Et il y a quelques facteurs qui ont soulevé notre attention. Il s'agit des institutions traditionnelles dans ces États. Les institutions traditionnelles, vous ne devez pas les comprendre comme des bâtiments physiques, mais non, ce sont vraiment des institutions qui, c'est un développement des origines historiques de ces citoyens. Ils comprennent la profondeur de la culture. Il y a une acceptance. Et
Parce qu'il s'agit là d'une connexion organique entre l'histoire et les la gouvernance qui les a fait comme ils sont. Bon, on a historiquement, on avait les Émirats, on avait Bauchi et Gombe. On a aussi ces systèmes qui étaient imbriqués là-dedans. Puis on voit cette situation où les leaders traditionnels se sont rapprochés aux sociétés non gouvernementales, où ils ont travaillé avec les institutions religieuses, mais aussi avec les institutions de sécurité. Il y a un sens de coordination, ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie. Et par là, je ne veux pas dire que ces États n'ont pas eu des attentats de Boko Haram. Non, c'est pas le cas, mais c'est le degré de la multitude de ces attentats. Alors, là, on s'est intéressé pourquoi, comment ils ont prévenu davantage d'attentats. Au cours de la dernière décennie, cela a éclairci la situation quand on s'est penché sur la police de proximité. Ils ont endossé, police communautaire. Il y avait les parties prenantes actives qui ont passé en revue le développement de la situation ensemble avec d'autres acteurs. Et cela a été un point bien fort dans les données qu'on a trouvées. La deuxième chose qu'on a vue, c'est le rôle des leaders religieux. Dans les États de Bauchi et Gombe, et nous devons comprendre que la bataille contre la lutte contre Boko Haram, et j'écho ce que mon ami vient de dire plus tôt, c'est vraiment, il s'agit de gagner les cœurs et les esprits des gens. Et il faut se servir des acteurs qui connaissent, qui sont familiarisés avec cette culture. C'est très, très important. Je dois souligner ce fait. Et cela explique la raison pour laquelle le clergé islamique est très actif. Les religieux jouent un grand rôle là-dedans. Ils sont allés, par exemple, dans un cas d'un village à un autre pour faire du prosélytisme. Il y avait des instances où dans quelques-uns de ces États, ils étaient en train de prêcher, mais il y avait une réjection de masse, un rejet de masse concernant les prêcheurs de Boko Haram, parce que les religieux, les chefs religieux l'ont emporté par opposition à ces gens-là, parce que les gens ont pu faire cette différence. Vous avez aussi l'Association des étudiants du Nigeria. Vous avez le Conseil national de l'éducation musulmane. Et vous avez aussi les groupes de femmes qui étaient très actifs pour travailler avec les organisations régionales pour résister à l'idéologie de Boko Haram. Et ce qui a aussi piqué notre intérêt, c'était le rôle qu'ont joué ces groupes d'autodéfense. Alors là, il faut faire vraiment attention lorsqu'on fait le plaidoyer pour les groupes d'autodéfense, pour être activement impliqués dans ce cadre. Et bien sûr, tout cela doit se faire en respectant l'état du droit. Vous avez ces groupes d'autodéfense qui ont été utilisés par les communautés et qui se sont servis de la violence, l'agression pour des objectifs personnels. Donc là, il faut faire une différence. En même temps, il faut dire que dans ces communautés, la nature non conventionnelle de cette lutte qu'il faut mener contre Boko Haram, alors là, il faut un discours communautaire, il faut des organisations, parce qu'eux, ils ont les connaissances locales. Bien sûr, on a la sécurité, on a la police judiciaire, on a les militaires, l'armée. Mais puis,
On a aussi eu des cas où ces groupes d'autodéfense ont joué des rôles très importants entre 2014 et 2015, lorsque les crimes étaient vraiment à la hauteur. Il y avait des exemples où ces groupes ont été identifiés dans des mouvements suspects, où ils ont partagé des informations, ils ont travaillé étroitement avec les institutions. Il y a des noms d'autodéfense qui ont été publiés, qui ont été dans la presse. Il y avait même en 2012 un exemple où le gouvernement de Bauchi a autorisé l'établissement de ces groupes, de quelques-uns de ces groupes. Et ils les ont donc imbriqués dans la vie communautaire. Voilà, et c'est donc important d'illuminer ces détails hein, pour vous préciser les détails. Merci, Akinola. Merci, c'est très utile. Et cela me mène à ma question suivante. Alors, quels sont les enseignements tirés des contextes de Bauchi et de Gombe qui peuvent éclairer l'évolution des plans d'action nationaux et des stratégies régionales sur le continent. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais faire le résumé de ce que vous avez fait. Donc, vous avez travaillé avec les leaders religieux et puis vous avez parlé de votre approche communautaire en prenant compte de la perspective historique. L'autre aspect, oui, les anthropologues et les historiens. De plus en plus que je travaille sur ces problèmes dans la région de l'Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, on ne peut vraiment pas souligner le rôle des anthropologues assez. Il faut les mettre à la table des discussions. Et cela sera utile lorsqu'on développe les stratégies, surtout pour donner forme à... c'est ce développement dans le contexte spécifique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant les enseignements tirés? Alors, vous pouvez expliquer brièvement. Après cela, je vais passer à Romy. Merci, Idriss. Donc, vous avez déjà parlé de ces faits. Il y a cette multidisciplinarité. Lorsqu'on essaie de développer un cadre, un plan d'action, on ne dépend pas seulement d'une pièce d'information. Non, il faut prendre en compte l'histoire et il faut travailler avec ceux qui ont la connaissance historique. Je peux seulement souligner ce fait. Alors, une autre chose clé, lorsque vous examiner ces pays, pas seulement le Nigeria, on a des plans d'action qui existent. Au Nigeria, en 2017, on avait un cadre de politique en place. Et on s'est rendu compte que lorsque vous examinez les composantes de ce plan d'action, ce sont des composantes très exhaustives de nature. Par exemple, on s'est focalisé sur le renforcement de la coordination. Alors, concernant la question des plans d'action, il faut les examiner. Il faut voir pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour les renforcer. Il faut imbriquer les composantes dont je viens de vous parler avant. La mise en œuvre de ces aspects qui manquent doivent se faire aussi rapidement que possible. Aussi, il faut voir comment on peut être un modèle pour d'autres pays et comment on peut aider la réalité qu'on voit dans d'autres pays. Et je vais m'arrêter ici. Il ne faut jamais perdre de vue les communautés. L'impact, l'expérience, les attentes, et la redevabilité. Les communautés sont ceux qui vivent la crise. Et les communautés vivent le pire des crises, de l'agression, de la violence. Et il y a quelque chose d'intrinsèque de pouvoir bien exprimer et d'articuler un problème lorsque vous le vivez. L'expérience a à faire avec le fait que lorsqu'on va rencontrer les membres de la communauté, il faut les interroger, il faut les consulter, parce que les idées des membres de la communauté doivent être reflétées dans nos actions. Et lorsqu'on parle des attentes, il nous faut des
politique et qui imbrique les membres de la communauté, parce que souvent cela ne se passe pas comme ça. Et donc il nous faut absolument des mécanismes pour impliquer la communauté. Concernant la redevabilité, la responsabilité, il y a la responsabilité de la formulation des politiques, mais aussi on a une responsabilité éthique. Lorsqu'on publie, lorsqu'on écrit de cela, le matériel visuel qu'on utilise, il faut aussi se pencher sur la vision éthique. Je m'arrête ici pour donner la parole aussi à mes collègues. Merci beaucoup, Akinola. Le plus qu'on parle, le plus on se rend compte que la communauté est vraiment au centre de tout. Il faut arrêter de les voir comme victimes, mais comme partie prenante. Il faut les consulter. Même les solutions elles-mêmes peuvent être trouvées, je pense, dans ces communautés. Ces communautés doivent être vues et doivent être imbriquées dans les stratégies et dans la mise en œuvre. Romy, finalement, je vais vous poser quelques questions avant de passer les micros à l'audience, au public. Comment certaines localités touchées par l'extrémisme violent au Kenya se sont-elles révélées plus résistantes que d'autres? Quels sont les facteurs qui ont permis une telle résilience face à la menace d'un extrémisme violent dans le pays? Merci, Idriss. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Pour ce qui est de la communauté, première chose à dire, la résilience de la communauté est dynamique. Il n'y a jamais quelque chose comme une résilience absolue. Il y a des actions qui peuvent soit mener vers la vulnérabilité ou renforcer la résilience. Donc, il ne s'agit pas d'un processus linéaire. Il y a différents facteurs dont la communauté doit traiter simultanément et donc il faut faire attention. Il faut emprunter la voie de la prudence. Il faut voir si la communauté a plutôt un penchant vers les vulnérabilités ou vers la résilience, parce que c'est bon. Et puis, ces facteurs peuvent changer rapidement. Étant donné le dynamisme sur le terrain à Nairobi et dans les différents comtés du Kenya, on a fait des recherches. Là, on a fait des recherches concernant la résilience. Les cinq facteurs qui ont fait la résilience. Le premier facteur est ce qu'on appelle ce capital de fusion. C'est ce capital intragroupe, c'est ce sens de connectivité, d'inclusion dans son propre groupe, avec les religieux, avec la communauté, avec le groupe ethnique. Et une de ces plaintes qu'on voit souvent, c'est que des forums n'ont pas été inclus dans leur groupe. Par exemple, que les décisions ne sont pas prises ensemble avec tous les membres de la société, par exemple avec les femmes et avec les jeunes. Un élément important de la résilience, c'est la discussion avec tout le monde, de ne pas seulement donner la parole aux mâles, mais aussi aux femmes et aux jeunes. Par exemple, dans le comté de Kwanti, ce sont les femmes qui ont activement contribué aux discussions de la paix. Et à Kwali, certaines mosquées ont travaillé ensemble avec les jeunes. Ils avaient fait des efforts de vulgarisation des jeunes pour les attirer aussi à l'éducation. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle le capital intergroupe. Ce sont les liens créant des ponts entre les différents groupes ethniques, entre différentes cultures. Les gens qu'on a interrogés à Nairobi nous ont donné quelques révélations. Là, il y a beaucoup d'opportunités de travailler entre les différents groupes ethniques. Il faut comprendre les autres cultures pour pouvoir les accepter et pour les tolérer aussi.
Il y a d'autres, donc il y a beaucoup de personnes non locales. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas faire du commerce et de socialiser avec des gens qui appartiennent à un autre groupe. Alors là, il faut travailler là-dessus avec ce capital intergroupe. C'est cette confiance entre les groupes ethniques, aussi avec, entre les différents groupes religieux. Ça nous aide beaucoup s'il y a des facteurs de collaboration entre ces groupes. À Nairobi, on a parlé, on a travaillé sur des forums de discussion où des gens de tous les groupes peuvent venir avec des mémos. Ils peuvent travailler sur la prestation des services ensemble, sur différents facteurs. Ils ont pu travailler ensemble. L'intégration de ces groupes est ce qui importe parce que bon, et aussi les communautés de Niger, là, ils ont aussi, ils se sont engagés ensemble. Ils ont travaillé sur différents problèmes ensemble. Un troisième facteur, c'est le capital qui fait le lien. La confiance et la communication doivent être établies entre la communauté et les autorités, si on parle de l'application du droit ou autre autorité. Ça, c'est un élément très important. Et cela relève un autre défi. À Nairobi, c'est différent de faire des relations entre les la police et les jeunes. Les jeunes, on dit qu'ils posent des questions, mais ils ne reçoivent jamais de réponse de la police. Mais cet engagement commence à se faire. Les policiers ont dit qu'ils vont changer leur forme d'interaction avec les jeunes. C'est aussi très important d'aller en détail. Bon, je vais ici en détail dans la recherche. Le quatrième facteur dont je veux vous parler, c'est le bien-être socio-économique, le développement dans les communautés. Ceci inclut aussi la qualité de l'éducation. Très important, l'éducation. L'éducation joue un rôle énorme et renforce la pensée critique concernant les narratifs extrêmes et pour renforcer la résilience contre ces narratifs extrêmes. Il faut donc parler contre les comportements et les croyances et qui favorisent l'agression parce qu'il y a ces porte-paroles dans les communautés. Donc, il faut les confronter. Ces facteurs ne sont pas nécessairement tous liés à l'extrémisme, mais sur tous les points, c'est très important pour les communautés de devenir plus résilientes. Ces quatre phases sont très importantes. C'est formidable. Si je vous posais maintenant une autre question de suivi, vous avez récemment co-signé un article. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du rôle du dialogue dans la résolution des conflits locaux qui pourraient autrement mener à la radicalisation? Pouvez-vous discuter des conditions propices au dialogue entre et au sein de ces communautés, ainsi qu'entre les communautés et les acteurs de la sécurité et de la justice, afin de résoudre les problèmes qui pourraient autrement mener à l'extrémisme violent? Oui, très intéressant en fait. Les conditions qui ont mené au dialogue sont connectées avec les communautés, résilience et dialogue sont des processus et pas seulement des destinations et nécessitent l'implication de tout le monde. Il est important de savoir qu'un dialogue pertinent n'est pas possible à long terme dans des contextes où les droits de la personne et les vulnérabilités économiques ne sont pas adressés. Alors, le dialogue, ça fait partie des démarches pour soutenir la communauté.
Le dialogue avec les communautés, c'est une option entre des groupes différents. Il y a l'élément de la confiance tout d'abord. Il faut avoir une ouverture. Les gens doivent vouloir se faire confiance. Et puis, il faut avoir la confiance entre les communautés et les gouvernements. Il faut quelqu'un pour pouvoir faciliter ces discussions. Et puis, autre facteur important, c'est l'inclusion, l'opportunité pour les dialogues. Souvent exclut certains groupes, la jeunesse, les femmes, souvent sont gardées à l'écart. Un exemple excellent ici, c'est que des jeunes hommes à Nairobi avaient beaucoup de confiance dans leur mère. Et ils étaient surpris souvent que les femmes étaient rarement incluses dans les conversations, sur les discussions sur l'extrémisme violent. Et les jeunes étaient surpris parce qu'ils avaient confiance dans leur mère. Ils pensaient que les mères, les femmes devaient être incluses, faire partie de ces discussions. Ensuite, le dialogue avec les forces de l'ordre. Il faut que les membres de la communauté... Il faut avoir moins de profilage, moins de harcèlement de la police vers les membres de la communauté sur le terrain. Il faut aussi avoir des interactions entre la police et les membres de la communauté dans des espaces sûrs où les communautés, les gens peuvent avoir une voix et se faire entendre. Il faut donc prendre, par exemple, un ONG qui soit bien connu et donc, par les populations et par le gouvernement pour faire l'arbitre. Il faut aussi avoir travaillé, il faut essayer d'avoir les mêmes officiers de la police qui travaillent à long terme dans ce processus de dialogue. Il ne faut pas changer. Si ces officiers sont transférés, ça peut donner l'impression que la police n'est pas vraiment investie dans ces dialogues, dans ces discussions. Il faut donc que les officiers de la police qui sont impliqués restent sur place. Et puis aussi, on a trouvé que les centres de justice dans la communauté, il faut avoir un accroissement de confiance dans le secteur judiciaire, que la justice sera dispensée de façon sans retard et de façon équitable et que tous les groupes ethniques et autres seront traités également. Et cela va permettre des dialogues entre les acteurs juridiques. Souvent, les acteurs juridiques sont au tribunal et ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas proches des communautés. Donc, il faut donner des espaces aux communautés de s'approcher de cela. Des éléments importants, encore une fois, c'est que les membres de la communauté veulent voir que la justice soit bien respecté par les forces de l'ordre. Et il faut avoir ça en place, la confiance dans tout cela, avant de ne pouvoir entamer un dialogue. Alors, en sommaire, il faut avoir une représentation où les communautés sont représentées dans ce dialogue, ou avoir des voix crédibles qui peuvent être ajoutées. L'inclusivité, la confiance sont des mots clés en ce qui concerne le dialogue ou l'engagement dans le dialogue des discussions. Alors, et ma question finale, et soyez bref, s'il vous plaît, pour que les autres puissent répondre. Est-ce que vous pouvez nous mettre en évidence d'autres programmes innovants que des acteurs étatiques et non étatiques ont mis en place pour prévenir l'extrémisme violent au Kenya? Alors oui, bien sûr. Je vais me focaliser sur les acteurs non étatiques. On sait assez bien ce qui se passe sur le niveau de l'État au Kenya contre les terroristes. Sur le côté non étatique, il y a une initiative très intéressante. Et il y a beaucoup d'organisations qui essayent de travailler avec les groupes religieux aussi, de favoriser une interconnexion entre les groupes religieux divers. Alors, il y a cette initiative qui se focalise sur l'inclusion, surtout chercher la participation des femmes musulmanes, de la jeunesse avec des narratives contre
contre l'extrémisme islamique, et puis aussi ils cherchent des personnes provenant de toutes les religions pour avoir une certaine cohérence, pour avoir le dialogue intra-religieux. Ils collaborent de même avec les groupes des différentes religions des femmes. Et il y a le centre communautaire de soutien du Kenya, c'est la cohésion pour mettre en place la résilience, la communication entre les groupes identitaires différents, et puis aussi pour parler à la jeunesse, des forums de la jeunesse pour mettre en place des dialogues et sensibiliser la population et rapprocher la jeunesse des forces de l'ordre. Et puis encore une chose que j'ai trouvé intéressant, un autre angle, c'est une organisation qui s'appelle la Fondation pour le dialogue. Et donc, ils travaillent avec les jeunes qui passent par leurs rites de passage. Il y a des centres à travers le Kenya pour la jeunesse qui ont déjà travaillé avec 2000 jeunes. Et la campagne a souligné le potentiel d'espaces innovants pour les jeunes, leur donner des conseils. Et puis mon dernier point, c'est pour dire de renforcer la résilience de la communauté. Il faut un petit peu changer la façon de penser, changer la politique dans la lutte contre la violence, l'extrémisme violent. Il faut avoir un regard plus élargi et avoir des interventions pertinentes. Et donc, pas seul, il faut réduire les vulnérabilités. Ils travaillent sur un nombre de facteurs socio-économiques, d'éducation, pour mettre en place les bases pour renforcer la résilience et non seulement voir le problème direct de l'extrémisme violent et le gouvernement. Les trois exemples que nous avons eus de la Mauritanie, qui a une approche différente de celui du Kenya. Les stratégies ont été mises en place, fondées par le gouvernement, mais la mise en œuvre dépend beaucoup de la société civile. D'autres États membres pensent mettre ces choses-là en pratique, par exemple le Kenya, savoir comment la société civile peut ajouter la valeur au travail que vous entreprenez, que vous effectuez. Des présentations merveilleuses, brillantes de nos panélistes. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. J'essaie donc de répondre aux demandes des questions des participants. Je vais choisir 3 ou 4 questions. Donc, nous avons une question de Samson Eyikosi du Nigeria qui demande quelles sont les initiatives pour la consolidation de la paix, pour l'intégration et impliquer les gens qui sont impliqués dans l'extrémisme violent, et puis aussi les gens qui, comment faire pour faire venir ces acteurs de violence à la justice. Alors, mon collègue Akinola, je vais faire demande à vous de répondre. Parce que comme c'est le cas nigérien, je pense que vous êtes le mieux placé pour répondre à cette question. Peut-être 2 minutes, une réponse rapide, s'il vous plaît, votre réaction à la question. Merci, Idriss. La question a touché sur 2 choses. Vous avez parlé de la justice transitionnelle, en fait. Aussi, elle a parlé de la réintégration de toute cette situation, de ces personnes, ces 2 aspects très importants. Lorsque nous parlons de la justice transitionnelle, c'est très important, une composante très importante.
Surtout lorsqu'on se penche sur ce qui se passe dans les après-crises, les après-conflits. Ceci se passe par étapes. Il y a beaucoup de réflexions à savoir comment façonner tout cela, mais nous avons déjà des recherches qui prennent lieu dans les études stratégiques où je travaille avec des collègues qui travaillent sur ces questions-là. On se penche justement sur cette justice transformationnelle et à savoir, c'est une tendance, en effet, parce qu'il y a des gens qui sont des victimes, en fait, et qui ont été des victimes, et comment il est très important en essayant de façonner ce cadre de justice transitionnelle. Il faut aussi travailler avec les communautés, travailler avec les organisations de la société civile. L'autre point, l'aspect de la réintégration, la réhabilitation, nous en parlons depuis quelques ans, beaucoup. Les gens qui ont une compréhension que de faire revenir les anciens combattants dans les communautés, ce n'est pas la chose à faire, en fait. Et il y en a qui ont le point de vue que ça fait partie de ce qu'il faut faire. Il faut les réintégrer, il faut les réhabiliter dans les communautés. Alors, c'est en fait une situation très complexe. Et il faut voir ça, il faut voir chaque cas indépendamment. Il ne faut pas avoir la perspective où on dit que chaque personne qui a été associée avec un groupe terroriste, il y avait des stratégies différentes pour le recrutement qui ont été adoptées, la façon par laquelle les gens ont été recrutés dans les groupes. Donc, il faut donc avoir une approche, il faut consulter avec les communautés pour leur demander en fait comment faire. Il y a des communautés qui rejettent le retour de ces anciens terroristes ou bien dans certains cas, on peut réhabiliter les personnes et puis ils peuvent rentrer dans leur communauté après, mais ça dépend. On a eu plusieurs cas où les gens peuvent se rejoindre à la communauté et peuvent. Mais ça dépend parce que chaque cas est différent. Quelquefois, ça ne marche pas. Merci. La parole à Anouar. On a posé une ou deux questions, plusieurs questions sur la Mauritanie. Alors, Anouar, un de nos analystes à la CAERT, quel est le modèle de la Mauritanie que vous avez présenté pour contrer la lutte, pour contrer l'extrémisme violent? Comment ça peut être produit? Parce que la méthodologie de la Mauritanie peut-être ne peut pas se reproduire ailleurs et n'est pas fiable dans d'autres contextes. Alors, la question de contexte, la spécificité du contexte, vous avez parlé d'une approche holistique que la Mauritanie a mis en place, militaire et autres. Oui, c'est une très bonne question. Ce sont des affaires très complexes, en effet. Chaque pays a ses niveaux de spécificité différentes. Alors, il est très difficile d'adopter exactement ce qu'ont fait les Mauriciens. Alors, ça dépend de la dynamique locale et des complexités dans chaque pays. Mais néanmoins, il y a quand même des leçons importantes. La volonté politique compte beaucoup dans tout cela. Il faut avoir la détermination pour aborder ces menaces. Il y a une approche multidimensionnelle, bien sûr, prévenir, des mesures préventatives, des mesures réactives. Ce qu'ils ont fait en Mauritanie, ils ont pris en place des facteurs qui alimentaient le terrorisme, l'extrémisme violent, etc. Cette approche, donc, parle des militaires modernisés et puis aussi l'approche sociale et puis tout cela a contribué à la réponse de la Mauritanie, aussi une approche idéologique.
qui ça peut changer aussi pour faire comprendre à la population que cette idéologie extrémiste n'est pas une bonne chose. Alors on ne peut pas nécessairement reproduire les mêmes méthodes, mais on peut quand même adapter certaines parties, le fait qu'il y ait le dialogue, la promotion, comme en Mauritanie, qu'ils ont recruté des centaines de personnes pour créer des efforts pour changer la perception des gens, pour améliorer les services sociaux, ça c'est très très important, et améliorer les routes, l'éducation, c'est la volonté politique qui est critique, et sans cela, ce paradigme fragile ne peut pas être résolu. Alors je vais m'en arrêter là, merci. Thank you, Anwar. It's important. Merci, Anwar. C'est très important, c'est spécifique dans le contexte, mais il y a des exemples qui peuvent inspirer d'autres pays pour les mettre en œuvre également. Anwar vient de dire qu'il faut faire une évaluation interne des facteurs et des vulnérabilités, mais aussi des forces, des mécanismes qui existent déjà. Romy, une autre question. Quelle est la plus grande barrière qui peut arrêter le terrorisme au sein des pays où on connaît encore la paix maintenant? Alors, on se penche sur votre expérience kenyane, votre aptitude pour évaluer les différents programmes. Qu'est-ce qu'on peut faire de la perspective des pays qui n'ont, Dieu merci, pas encore été victimes de cette violence? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prévenir cet extrémisme? Romy. Merci, Idriss. La résilience communautaire porte surtout sur l'établissement d'une communauté saine et forte. Il ne s'agit pas vraiment de se pencher trop sur l'extrémisme, mais plutôt sur la force des communautés et de renforcer la résilience de la communauté. Il faut se pencher sur les différents composants de développement. Il y a la santé socio-économique, la santé, l'éducation, la gouvernance. Il s'agit d'un projet en voie de développement. Et lorsque vous imbriquez ces éléments dans le projet, alors la communauté devient beaucoup plus forte. Et la résilience se renforce davantage. Ce qui importe, et beaucoup l'ont dit avant moi, c'est d'avoir une approche du bas vers le haut. Les communautés doivent continuer ce processus de renforcer la résilience. Bon, bien sûr, on sait la rapidité avec laquelle le dynamisme de l'extrémisme peut changer. On l'avait en Afrique de l'Ouest et de l'Est, mais on ne l'a pas encore vu au Mozambique. Ça ne veut pas dire que les autres pays sont immunes contre ce fléau. Mais le plus que vous pouvez renforcer la résilience, en se servant des blocs de base. Alors, lorsque vous avez un cas d'extrémisme violent, les communautés elles-mêmes auront la force d'être résilientes contre cet extrémisme. Et ce sont c'est la santé socio-économique, bonne éducation, transparence, gouvernance. Tout cela doit couramment être mis à jour et renforcé dans les pays qui n'étaient pas encore victimes d'un attentat. Alors, il y a deux questions que je vais combiner dans une seule et je vais donner le microphone à Anwar parce qu'il s'agit d'une question concernant la Mauritanie. La question, on comprend. Il s'agit d'une question de l'Afrique du Sud.
Il s'agit de CDC Police. C'est un ancien élève du programme de l'année dernière. Beaucoup des questions qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui sont des questions qu'on a abordées et qu'on va aborder dans notre programme CEV qu'on organise avec le CESA. C'est aussi un bon programme qui va vous donner énormément d'aperçus et de réponses à toutes ces questions qui ont été posées. Les anciens élèves disent « Je vois que l'amélioration de l'État pour la prestation des services était un facteur clé pour contrer l'extrémisme violent ou le terrorisme. Comment est-ce qu'ils ont changé leur approche. Et puis, il serait intéressant d'entendre le gouvernement mauritanien qui a eu la volonté d'essayer d'impliquer les groupes nomades. Est-ce qu'il leur donne aussi service public pour gagner les cœurs et l'esprit? Alors, c'est en effet, est-ce que le gouvernement, est-ce que les nomades, est-ce qu'ils vont essayer de trouver recours à Anoua? I mean, sure. Again, I talked about. Encore une fois. Je vous ai parlé de l'importance de la volonté politique ici. Et ce qui a déclenché ceci, et juste je vais me tenir bref ici, que les attaques terroristes que la Mauritanie a dû endurer, et quelques-unes étaient beaucoup plus choquantes que d'autres. Il y avait beaucoup de gens qui ont été tués. La volonté politique est cruciale du régime précédent. Et c'est une grande distinction entre la Mauritanie et des autres pays. Alors maintenant, le grand défi, c'est de maintenir ceci, de le rendre durable. C'est l'architecture de la stratégie qui importe. Donc, il ne s'agit pas seulement des actions de l'ancien président, mais il s'agit de l'architecture, bien sûr. Il faut faire davantage parce qu'il faut imbriquer la communauté aussi. Et nous le savons tous. L'expérience, c'est qu'il y a cette frustration. La frustration qui mène beaucoup cet extrémisme. Donc, il y a beaucoup plus d'efforts qu'il faut faire. Mais cette approche mauritanienne est celle qui ne va pas contre les nomades parce qu'il y a d'autres pays qui le font. Mais non, c'est de travailler avec eux malgré ceux qui font le plaidoyer de la violence ou qui font la collaboration avec ces réseaux terroristes. Il faut bien sûr les poursuivre par la justice. Malheureusement, je ne peux pas approfondir parce qu'on n'a plus de temps. Merci, Anouar. Et dans la note conceptuelle, vous faites allusion à l'étude du cas. Vous pouvez télécharger cette étude de cas et là, vous recevez beaucoup d'autres informations. Je m'excuse vraiment. Je déteste qu'on a seulement une heure et demie pour couvrir un sujet si important. Il est difficile pour un modérateur pour interrompre les panélistes. Je vous présente mes excuses et aussi les panélistes, vous n'êtes pas à même de répondre à toutes les questions, mais lorsque vous téléchargez tous les documents, tous les dossiers qui ont été publiés par les trois panélistes, j'en suis sûre que vous allez trouver les réponses à beaucoup de réponses à ces questions. Mais le CESA et CAIR travaillent ensemble pour assurer ce dialogue continu avec toute cette série de webinaires qu'on va conjointement organiser. On va s'assurer que quelques-unes des questions que vous avez posées et qu'on n'a pas pu répondre aujourd'hui vont faire partie d'autres webinaires. Je pense qu'il y a énormément de leçons apprises. J'ai fait beaucoup de notes. Il y a beaucoup de mots-clés, l'importance du dialogue, la résilience communautaire, travailler ensemble avec la communauté et s'assurer que tout ce que vous avez en place, que vous devez parler des acteurs
étatique et non étatique, de toutes les valeurs ajoutées, aussi la représentation. Les communautés doivent être bien représentées à la table, les femmes, les jeunes, les leaders religieux, puis l'inclusivité. Il ne faut pas avoir des portions de la communauté exclues de ces programmes. Et puis le renforcement de la confiance entre les membres de la communauté, mais aussi entre la communauté et les acteurs de la société les acteurs du gouvernement. Il y a énormément de sujets. Je vous remercie tous. Merci aux panélistes pour leurs aperçus très utiles, pour avoir pris le temps pour partager aujourd'hui avec nous toutes vos idées et aussi pour nous orienter, pour nous éclaircir et pour nous aussi parler des défis que vous devez soulever dans vos pays. Et aussi de vous parler de vos leçons de réussite. Un grand merci. Il y avait une formidable représentation des acteurs étatiques et non étatiques. C'est ce qu'on veut voir dans ces programmes nationaux de PCEV. Il faut participer dans tous ces événements. Il nous faut une volonté similaire pour contribuer et d'être un bon acteur dans la mise en œuvre de ces programmes. Un grand merci pour l'attention. Je vous passe maintenant la parole à Anwar parce que vous avez commencé la séance je me réjouis déjà pour vous revoir bientôt. C'était un grand plaisir de travailler et de faire le partenariat avec KR. Merci à Romy et à Agola et tous les participants et qui se sont rejoints à nous aujourd'hui. Et on va avoir davantage ces discussions dans l'avenir. Je m'attends à beaucoup plus de discussions. Un grand merci. Restez en bonne santé.